Bonjour les humains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Tours, donc j'ai gagné une médaille, pas très fier de moi, vous allez le voir sur la vidéo, et un résultat improbable aussi, vous allez le voir sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like encore une fois pour me soutenir, soutenir la chaîne, et prochainement il y aura d'autres compétitions, Inch'Allah, un peu mieux que aujourd'hui. Bisous, ciao, bye les humains. On est parti pour l'échauffement là, je me suis strappé les doigts, vous voyez, parce que celui-là il tient pas très bien, et celui-là bah, je me suis blessé à Lille pour ceux qui avaient suivi. Donc aujourd'hui tournoi La Belle Excellence, c'est mon troisième, mon deuxième en vétéran, j'espère ramener une médaille, ça serait parfait, hein, ramener une petite médaille, et ne pas me blesser. Donc là on est chaud, le cœur qui commence à taper, palpitations cardiaques, un bon échauffement, j'ai personne pour m'échauffer, je vais m'échauffer à l'arrache, c'est parti. Il y a un arbitre qui est venu me voir, il m'a dit que c'est terminé, tout ça. Il était déchiré dans mon dos, il était déchiré, donc c'est terminé, j'ai plus de ça. C'est parti, je vais vous commenter du coup ce premier combat. Donc je tombe contre quelqu'un qui est beaucoup plus grand que moi. Donc moi pour un moins de 100, je suis assez petit. Hein. Donc toutes les techniques que je vais faire, ça va être ceux où je vais essayer de passer un petit peu en dessous l'adversaire. Comme là, où je tente une planchette japonaise, donc Tomoenage pour ceux qui connaissent. Ensuite, là j'ai la main au revers, j'essaye de faire un accrochage entre les jambes, donc Ippon Koichi pour ceux qui connaissent. Il y a une grosse bataille de garde, hein. le gars avait quand même un petit peu de force. Là je vais dans son sens de mouvement pour qu'il lance du coup sa technique, et j'ai failli me faire avoir. En même temps ça m'a bien réveillé, parce que j'étais mal échauffé, donc ça m'a bien réveillé. On repart sur une bataille de garde, le gars avait de la force, hein. Il avait pas mal de force, là il appuie, hein. Vous avez vu comment il appuie. Je pousse les fesses vers l'arrière pour éviter qu'il me tracte en fait. Tout simplement, je lance encore une attaque. Donc je suis assez productif dans mon judo, j'aime bien beaucoup attaquer. Je devrais pas, pourtant je devrais pas trop attaquer. Là, il lance une attaque, j'ai réussi à l'esquiver et je l'attrape au sol. Donc pour marquer le hippon, il faut 20 secondes. Il faut tenir 20 secondes en immobilisation sur l'adversaire. Donc là, je vais réussir à tenir les 20 secondes. Soit il arrive à sortir, soit il m'attrape la jambe. Donc vous avez vu là, je dégage ma jambe pour éviter qu'il me l'attrape. J'arrive à tenir les 20 secondes, une fois que j'arrive à tenir les 20 secondes, je marque Ippon, ce qui est comme le KO en boxe, donc fin du combat. Voilà, bravo mon gars. Et ensuite, quand le combat est terminé, l'arbitre désigne le vainqueur, on se serre la main, et puis on peut sortir du tatami. Bon, premier combat validé, mais le gars il avait de la force, et je ne me suis pas échauffé. Je pense que c'est quoi mon problème. Enfin bref, on verra le deuxième combat comment ça se passe. Alors pour ce deuxième combat, je tombe contre quelqu'un qui était malvoyant. Donc le combat commence avec la garde. On s'attrape, on attrape le kimono. Et puis après l'arbitre dit Hajime, donc début du combat en japonais. On va commencer le combat et là j'étais totalement déstabilisé. J'étais pas bien dans le combat. J'ai essayé de lancer une attaque dès le début, bon ça n'a pas marché, un petit travail au sol, pareil ça va pas trop aller loin. Deuxième séquence, même chose, et vous avez vu je reste au revers, et je suis pas bien en fait sur ce combat là, je commençais déjà à ne pas être bien. Je sais pas si c'est dû à un petit peu de fatigue ou manque de préparation physique, je sais pas, mais j'étais pas bien. Et je reste au revers, je sais pas pourquoi, je reste au revers, j'arrive pas à monter la main, je suis pas bien du tout. C'était un combat difficile, hein. Difficile parce que quand on tombe contre quelqu'un qui est malvoyant, bah, au début on a tendance à être un petit peu gentil, alors qu'en fait faut pas être gentil. Là vous avez vu, il lance une attaque, non c'est moi qui lance une attaque, je sais plus, il lance une attaque et il essaye de passer sa jambe, donc comme moi tout à l'heure. Je vais réussir à le bloquer, j'attrape sa jambe, je verrouille. Et normalement, il y aura arrêt de l'arbitre. Et on va repartir pour une nouvelle séquence. Donc là, nouvelle séquence, j'essaie de le déstabiliser un petit peu avec
un coup de patte, on appelle ça, et là je pars sur un étranglement. Regardez, là je pars sur un étranglement, je sais, il était passé un étranglement, mais il a bien joué, il s'est relevé entièrement pour éviter l'étranglement. Je l'ai vu sur son visage là, qu'il avait senti l'étranglement, c'est dommage. On repart sur une nouvelle séquence, on se remet face à face, vous avez vu, on se remet face à face à chaque fois, on s'attrape et le combat peut démarrer. Là, encore une fois, je reste au revers, je sais pas pourquoi, alors qu'il faut que je monte. Je suis mieux quand je monte, moi. J'étais un petit peu gentil hein, sur ce combat, un peu trop gentil même. Là, je vais me réveiller, normalement. C'est ça ou pas? Oui. C'est à partir de là, regardez, ma main droite, elle passe au-dessus, j'attrape la ceinture. Hop là, planchette japonaise, je marque un wazari. Et puis après, j'attrape au sol, donc comme tout à l'heure, immobilisation. Et là, cette fois-ci, il faudra tenir 15 secondes seulement, vu que j'avais marqué déjà un point. Donc pour marquer un ippon, on tient que 15 secondes. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, le gars avait été déficient au niveau des yeux. Pas aveugle à 100%, mais on commence en fait avec la garde, avec le kumikata avec la garde. Un combat casse-pique. Pas facile du tout. Mais bon, j'essaie de remonter après quand c'est bizarre. Merci. C'est bon. Merci beaucoup, t'es gentil. Ouais, t'as vu ça? Voilà. Allez, dernier combat. Allez, c'est parti pour le dernier combat. Donc pour le dernier combat, je tombe contre un gaucher. Regardez hein, comment il va monter sa main à gauche. Je m'en rends pas compte tout de suite en fait. Hein. Il est venu au revers à droite. J'avais pas très bien compris. Et puis après là, je vois qu'il change de garde. Je m'en rends pas forcément compte. Je laisse faire. Et là, hop, boum, il lance son attaque. Donc il marque un premier wazari, un premier point d'entrée de jeu. Il marque un point. Et là, dans ma tête, ça va plus. En fait, là, je pense que mentalement, j'étais plus à 100%. Vous avez vu, j'essaye d'attaquer rapidement. Dommage, c'est mal filmé. Mais j'essaie d'attaquer rapidement alors que je pense que je devrais prendre plus mon temps. Et ça, c'est parce que j'ai pas de coach avec moi qui me dit « Prends ton temps, t'inquiète, ça va aller. » Non, je vais vite. Alors que normalement, je dois prendre un peu plus de temps avant d'attaquer n'importe comment. Là, j'essaie de lancer... un makikomi à peu près, bon ça marche pas, j'étais pas bien sur ce combat là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Ah dommage, ça a failli passer, et là la clé de bras, dommage. Donc le travail au sol c'est important au judo, hein. j'essaye d'appliquer un petit peu ce que j'avais fait en jiu-jitsu brésilien, mais c'était pas facile comme exercice. Là regardez, hein, j'essaie de monter à gauche alors que je suis droitier. Ah le petit contre, dommage. Manque de contrôle sur le haut du corps. Sinon je pense qu'il serait rentré, c'est dommage. Là il reste 1 minute 30, donc on a la moitié du combat. Et regardez, je vous laisse admirer le geste. Voilà, rien du tout, encore une fois une technique de sutemi, mais ça marche pas. Prendre plus de temps avant d'attaquer, hein. Et pas attaquer directement Zakaria, tu fais n'importe quoi. Là pareil, j'essaie d'attaquer, superbe contre, bravo. Et du coup là, j'étais pas bien. J'étais énervé contre moi. Ah là, c'est dommage. Ouais, c'est super gentil après de sa part, regardez, il est venu fair play. Toujours le fair play, il vient me relever, mais bon. J'étais bien fâché quand même contre moi-même. Ah merde, j'ai voulu attaquer de loin comme ça là. Je sais pas pourquoi faire. Alors que par contre j'étais nul sur ce combat là. Nul à la garde. Nul au cardio, nul à tout ce qui fallait pour être tout. Tout, j'ai le seum. J'ai le seum. Pas grave, comme ça c'est la vie. Hein. En fait, sur ce combat là, je viens d'y penser, mais pendant le combat j'y ai pas pensé, et c'est ça le problème, quand j'ai pas de coach, je n'y pense pas. Là, je me suis livré et je m'occupais à avoir super bipon et rien à dire. Deuxièmement, si j'avais perdu par wazari, j'aurais terminé premier aussi. Ça veut dire que j'aurais gagné au point quand même. Mais comme je suis un débile,
Je vais me jeter. Eh ben, t'es bien fait pour moi. Du coup, je sais pas ce qu'ils vont faire au tableau là. Qui va être premier, qui va être deuxième, qui va être troisième. Parce qu'on a le même nombre de points. Moi, j'ai battu. Moi, j'ai gagné le premier combat. Celui que j'ai gagné en premier, il a gagné celui qui m'a battu. Et celui qui m'a battu, il a perdu contre celui que j'ai battu. Et on a tous les trois 20 points. Il y aura trois premiers. Comment on va faire? On voit ça dans quelques instants, je pense. Bon, finalement, on a tous les trois été classés premiers sur le tableau, vu qu'on s'est battus les uns les autres. Hein. C'est de ma faute, ça. J'aurais dû mieux gérer le dernier combat. Là. C'est de ma faute. Donc, tant mieux. Et bravo à nous. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fini tous les trois premiers. Parce que c'est à cause de moi. Si j'avais perdu mon combat sur Wazari, j'aurais quand même terminé premier, mais comme j'ai fait n'importe quoi, je n'ai pas suivi et j'étais bête. Mais bon, c'est pas grave, comme ça c'est la vie. On est quand même revenu avec une médaille cette fois-ci en je sais pas quelle matière. Et voilà, donc on remonte un petit peu à ranking 10, je pense. Donc ça fait plaisir. Et puis on a eu le t-shirt. Voilà. Chinois. Jojo Master de tour. Au début ils disent troisième. Je dis comment ça troisième? Si on a fini tous les trois premiers. Après du coup, Gagne dit, ah ouais c'est vrai. J'ai dit, eh ben ouais, qu'est-ce que tu crois? Ramène-moi mes points sur la ranking. Donc voilà. Abonnez-vous, lâchez un like et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.